Aujourd'hui les amis, vidéo légendaire. Récemment avec des youtubeurs, on a ouvert un serveur RP sur Minecraft. Et mon but c'est d'espionner l'un de ces youtubeurs pendant au moins 24 heures pour découvrir tous leurs secrets. Allez, sur ce, ça part. Hop hop hop, on bouge pas directement là, c'est le flic qui vous parle. On s'abonne tout de suite à la chaîne les amis, on est bientôt aux 500 000 abonnés. Ah, c'est vraiment la dernière ligne droite. Du coup hop hop hop, directement on s'abonne. Tous ceux qui ne s'abonnent pas c'est des criminels. Bon, j'abuse un petit peu, mais en vrai ça me ferait grave plaisir. Vous savez quoi, on va jouer un petit jeu. Je vous laisse 3 secondes pour vous abonner tout de suite. Comme ça vous passerez directement à l'écran, vraiment instant. Allez, 3, 2, 1, boum, c'est bon, pays, allez, c'est parti, vous avez passé à l'écran, il suffit de vous abonner. Merci à Kaman qui vient de s'abonner, ça fait grave plaisir, on enchaîne directement avec Zephyr. Merci à Zephyr qui vient de s'abonner, merci à toi qui êtes le prochain, allez, hop, hop, hop. Tous ceux qui s'abonnent maintenant s'affichent à l'écran. Merci, merci, merci à Wax. Merci Wax. Ce besoin je le trouve drôle, merci à toi. Et attention qui va être le dernier qui va s'afficher à l'écran, attention. Attention, attention, et c'est Rimo. Merci à toi Rimo pour ton abonnement, ça fait grave plaisir. Allez, c'est bon, je peux ranger mon arme. Et aussi, boum, voilà, c'est bon. En parlant d'abonnés d'ailleurs, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Un grand merci à vous. Si toi aussi t'as envie de passer à l'écran, bah il suffit de t'abonner. Et tu passeras directement dans la prochaine vidéo. Le mot du jour est tout simplement Color City. Vous savez que ça passe, du coup c'est le nom de la ville sur laquelle je suis. Et sur ce, ça part, infiltration. Ok les amis, j'ai directement infiltré du coup le serveur RP de tous les youtubeurs Minecraft. Et aujourd'hui je vais directement du coup espionner l'un d'entre eux. Bon déjà on va directement se diriger vers ma petite maison qui est juste devant. Voilà, petit poulet, une petite ferme vraiment cool. Voilà, une petite tête de poulet à l'entrée. Parce que du coup au sommet dans la tête de poulet, j'ai un véhicule qui va me permettre du coup d'aller traquer plusieurs youtubeurs. Mais bon, dans cette vidéo on va juste en espionner un. Mais pour la première fois j'ai envie de tenter quand même avec Multicore. Donc déjà premièrement, allez, ça part, on rentre par là, on referme. Partons visiter ma maison, de toute façon vous le verrez dans un autre jour. Pour l'instant on va aller directement sur le toit. Oh, j'ai oublié quand même, il y a pas, quand même pas mal d'étages hein. Allez, on continue de grimper, on y est presque. Voilà, c'est toujours pas là, hop, on remonte. Comme vous le savez, je viens d'emménager donc c'est vraiment très récent, c'est bon, y est. Ok, donc là normalement je vais à droite, puis là voilà. Dans mon petit dressing, du coup il y a des échelles avec un passage secret juste ici. On passe directement dans le toit de la maison et là regardez-moi ce véhicule. Ah, je peux vous le dire, il m'a quand même coûté super cher. En RP les véhicules coûtent quand même assez cher et là bah voici le véhicule que j'ai eu. Allez, on le démarre, voilà comme ceci, tranquillement. Ah, c'est bon, parfait, ça marche. Allez, ligne droite. Allez, on peut y arriver. Et là, on ressort par là. Allez, c'est bon. Voilà, regardez-moi ça là. On va quitter du coup ma maison et on va essayer du coup de commencer par Multicore. Si je me rappelle bien, lui du coup il habite dans un quartier un peu au fond. Ah, il va falloir quand même traverser la ville là, on n'a pas le choix. D'ailleurs la ville elle est encore en construction qu'on voyait au fond. Ah voilà, c'est bon, je suis arrivé directement dans le quartier où habite Multi. Mais je sais pas c'est laquelle sa maison en fait. Là vous voyez c'est vraiment un grand quartier avec plein de youtubeurs qui louent. Sauf que ici c'est de la location. On peut aussi acheter mais ça coûte quand même assez cher. J'ai rien trouvé du coup, elle est où la maison de Multi en fait? Où est-ce qu'il a déjà, dites-vous, dans chaque maison? Enfin pas toutes, mais au moins dans 5 maisons dans ce quartier là. Il y a un youtubeur qui est en train de faire son RP dedans et qui est en train de dire ça qui est cool. Donc c'est à dire que je pourrais en espionner vraiment plusieurs. Dites-moi d'ailleurs, vous êtes qui comme youtubeur pour la prochaine vidéo? En ce moment là je commence avec Multi vu que bah du coup je le connais, je sais qu'il est sur le serveur en ce moment. Non mais les gars, je suis en train de faire le tour de toutes les maisons. Oh, il est là. Hey, en vrai laisse-les la maison des voisins là. Il est juste là, regardez-le, il est juste là. Bon vite, faut que je me garde parce que quand même j'ai un engin assez conséquent. Parfait, allez, maintenant on descend juste ici. C'est bon, allez, on est sur le tour. Oh, attendez, cette maison rouge en vrai je la trouve trop stylée, toute petite comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui habitent dans cette maison. Je sais pas, en fait moi vraiment je viens de débarquer ici. Là j'ai aucun boulot, j'ai rien, je vais rien pouvoir faire hein. Je suis un petit nul, un petit pauvre, un petit loser en fait hein, c'est un peu moi. Il est juste là, regardez-le là. Regardez-le. Ah, c'est sa maison là. Bah, c'est bon, on l'a trouvé. Eh, je pensais pas qu'on allait la trouver aussi vite quand même. Donc, sa maison, elle est juste là, elle est en jaune. En même temps, avec toutes les maisons qui est dans le quartier, il a vraiment pris celle-là quoi. Attends, où est-ce qu'il va? Mais où est-ce qu'il va là? Je comprends pas. Mais bon, ma maison, elle est juste là et elle est pas mal en vrai. J'aime bien. Moi, je sais faire de moi. C'est où cette maison? Attends, mais faut savoir, c'est elle ou c'est elle? J'arrive plus à savoir. Il y a deux maisons. Oh non, il y a un panneau. Oui, maison de Multicore. J'ai oublié ce détail. Quand on achète une maison, en gros, on a automatiquement du coup le panneau qui est posé avec notre nom pour montrer que c'est notre maison et que ça lui appartient quoi. C'est pas la maison la plus grande du voisinage, mais en vrai je suis content de moi. Regardez, voilà, petite maison de Multicore, voilà, c'est moi comme ça. Ah ouais, par contre sa maison, je pensais pas qu'elle était aussi simple quoi. Je sonne, ouais, non ça marche pas vraiment, il faut que j'ouvre tout seul. Voilà, bonjour, salut chez moi, comment ça va? Après il faut savoir que ça coûte quand même beaucoup d'argent d'avoir une maison personnalisée. Et faut savoir quoi, ma maison, pourquoi elle est personnalisée? C'est parce que du coup bah, j'avais pas mal d'argent et j'ai une équipe de constructeurs qui l'ont construite. Je vais quand même d'abord aller fermer la porte qu'il y a là parce que ça sert vraiment à rien de laisser ouvert, je vais juste perdre de l'électricité en fait hein. Alors que celle de Multi qui est juste devant nous, ah, c'est juste une maison qui a loué dans tout le quartier en fait. C'est bon, dans mon jardin, il y a personne vraiment qui s'est infiltré dans ma maison. Non, c'est bon, ok. Oh, la tarte, elle est prête. Attendez, la gaufre, elle est prête. Et vous savez quoi? Oh, bah, attends. Allez, ça part. On va essayer de descendre juste là, discrètement. Ah! Ah, voilà, c'est... Oh, je l'ai vu passer. J'ai vu ça dépasser dans la fenêtre. Et attention, on l'a vu dans le titre, hein. L'objectif, on va l'espionner pendant 24 heures. Voilà. Allez, ça part. Je fais pas de temps. Je fais pas de temps. On va essayer d'avancer direct. Donc là, on est à l'entrée de sa maison, tranquille. Allez, discrètement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh! Attends, mais sa maison, elle est vraiment stylée là, par contre. Bon, ouais, vraiment falloir que je me trouve un boulot parce que là, bah, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Non, franchement, premier degré, j'aime beaucoup sa maison. Oh, petit canapé et tout. Je sais pas ce qu'il y a sur la télé. Attendez, j'ai mis où la télécommande encore? Ah, franchement, il a l'air cosy, hein, petite maison. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Oh, j'ai ouvert la fenêtre. T'es pas laissé sur la table là? Non, peut-être dans la cuisine. Attendez, je vais aller voir. J'ai réussi à ouvrir la fenêtre. Ah, il prend du ketchup et tout, c'est trop stylé. Non, sa maison, j'aime beaucoup. Petite télécommande, elle est pas là, là. Non, dans le ketchup et tout. Non, c'est pas là. Dans le micro-ondes peut-être. Non, ok, encore heureux. Non, ça aurait été un peu bête. Qu'est-ce qu'il
est en train de fouiller dans sa maison là, je comprends pas. Attends, on referme la fenêtre, on la referme. Voilà, c'est bon, on l'a refermé. Je vais aller voir dehors. Il est en train de manger du ketchup. Il est en train de sortir vite. Parce que je l'ai perdu dehors, parce que là c'est pas possible. Là, voilà, et hop là, les portes du coup. Vite. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'elle est dans le jardin, la télécommande? Il m'a caché de regarder juste derrière. Ça, par contre, c'est vrai que j'ai bien tendu. Attendez, regardez, c'est stylé. Oh. Ok, ok, je peux s'attendre, regardez-moi. Regardez-moi ça, là. Oh là là. Au déguisement, il marche. Oh. Non, c'est bon, parfait. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son jardin là? Je comprends pas. Et non, je reste là. J'ai la même texture que ces buissons là. Peut-être qu'un jour je plante des fleurs parce que là, c'est pas foufou. Mais bon, la télécommande elle est pas là. Non, elle est pas là. Vraiment pas, zut. Parfait, c'est bon. Oh, il est rentré. Il est revenu dans la maison, c'est bon. Et par contre, on a eu tellement chaud. Allez, maintenant, boum, on le retire. Zut, zut, zut. Bah, c'est pareil, on va devoir regarder sans la télécommande au pire. Et on y retourne, voilà, comme ça, discrètement. Oh, attends, il y a une fenêtre par là. Attends, je peux passer par derrière ou pas? Je pense qu'on va regarder un petit épisode de One Piece avant d'aller dehors. Alors, soit je passe par la porte, soit je passe par la fenêtre qui est juste là. Oh, et dodo, c'est parfait. Et vous savez quoi? On passe par la fenêtre. Non, non, allez. Mais non, celle-là, elle est fermée à clé. Celle-là, j'ai la haine. Parce que même si j'ai pas de travail, je vais quand même peut-être sortir et tout, faire des trucs après. Mais voilà. Et de toute façon, on prend le risque. Vous savez quoi? Allez, j'ouvre la porte. Il est juste là. Il est. Oh, il est sur Netflix. Mais c'est quoi ce bordel? Il est vraiment sur Netflix. Eh, allez, Luffy, tranquille, c'est bien. Bon, allez, voilà, discrètement, on passe derrière lui. Voilà, comme ça. Regardez-le là. Alors, multi. Oh, je suis vraiment derrière lui. Ça me termine. Regardez-le, il est juste là. Il est posé sur la télé. Bon, allez, va attends, vite. On grimpe, on le laisse derrière. Et là, du coup, je suis à l'étage. Y'a pas un endroit où je peux me cacher. Oh, j'ai une idée. Et boum, je me mets comme ça. Et à la limite, je peux remplacer l'un des trucs en vrai. Voilà, là, j'y suis. Si je casse le bloc du milieu, là, ça pourrait le faire. Il est trop débile, chauffeur. Non, mais attendez. Voilà, c'est bon. Là, franchement, je trouve que je me suis bien placé. Non, franchement, là, je suis très, très bien même. Bon, vous savez quoi, en vrai, j'ai pas regardé tous les épisodes entiers. Vraiment, on va s'arrêter là. Et je pense que je vais pouvoir, du coup, maintenant faire un truc super intéressant qui s'appelle faire une petite sieste. Vous vous rendez compte qu'il va quand même monter par là. Il va vraiment monter juste dans cet escalier. J'en ai marre de rien faire de mes journées. Du coup, je vais aller dormir un petit peu dans mon lit. Moi, je serais vraiment posé comme ça en mode infiltré. Après, les gars, c'est le but. Il faut quand même que j'ai. Oh, il est en train de monter, il est juste là. Oh, je pourrais limite le frapper, mais on va pas le faire. Ok, il rentre dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre là? J'ai envie de descendre, mais j'ai peur que ça soit juste un brain et qu'il ressorte et qu'il re. Non, voilà, voilà, il ressort. Il rentre là-bas. Au pire, je peux essayer juste de descendre comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, je peux me mettre là comme ça. Et hop là, dormons comme ça. Oh, il est en train de dormir. Oh, c'est parfait. Allez, hop, on retire ça. Ok, là, les gars, faut vraiment chuchoter. Regardez, il est vraiment en train de dormir, ça me termine. Hop là, je vais limite me mettre là. Oh, allez, il est en train de faire une grosse sieste. Alors, multi, on fait une petite sieste. Là, c'est vraiment le moment de fouiller la chambre. S'il y a un truc intéressant, y a pas un truc là. Non, là, y a rien dans la bibliothèque, y a rien. Oh là là. Là, on est directement sur son bureau. Y a le PC, y a tout. Y a. Oh, une bibliothèque avec des potions et des livres, on l'ouvre. Oh, alors ça, secret pour buzzer sur YouTube by Multicore Original. Bon, allez, on récupère. Allez, je prends le livre pour buzzer sur YouTube. Allez, hop, on ressort. Bon bah, bonne nuit, multi, hein. Dors bien. On va aérer la pièce, attends, pendant qu'il dort, voilà. On aère la pièce pendant qu'il dort, voilà. Il y a de l'air frais qui rentre là, c'est parfait. Allez, on ressort, là on va descendre tout en bas. Je vais directement voir sa cuisine, il y a quoi dans la cuisine? Ah, il est en train de cuire une tarte carrément. Attends mais mec, non, mais regardez-moi cette cuisine. Hop là, petit tuto cuisine les gars, j'espère que vous... Non, c'est trop stylé. Franchement, sa maison, pour une petite maison un peu louée, je la trouve vraiment pas mal hein. Bon allez, déjà hop, on va se lever les mains un petit coup comme ceci. On va fouiller le frigo. Oh, quoi? Bon allez, on prend, allez, on prend des bouteilles d'eau. On a des steaks, c'est parfait. On a du pain aussi et on a un petit bread. C'est quoi ce truc? Eh, tant qu'on y est, voilà, on se met à table comme ceci. C'est quoi ce truc là? Oh, c'est trop stylé. Ah mais je crois que c'est du pain perdu, c'est incroyable. Allez, on va le laisser là. Moi j'ai mes steaks, j'ai mon eau, j'ai mon gros morceau de pain. Je pense que là, on peut partir. Et pour partir, paf, par la fenêtre. Comme ceci, on referme, on se met comme ceci sur le toit. Et je crois que c'était là, parfait. Ouais, c'était juste là, voilà. Il est en train de dormir juste ici. Et ben, on va attendre son réveil quoi. Wow, attendez, mais il fait froid là. Waouh. Oh, il vient de se réveiller. Il vient de se réveiller. Mais qu'est-ce qui se fait? Mais pourquoi j'ai laissé la fenêtre ouverte moi? Mais qu'est-ce que ce truc? Attendez, faut que je reste là. Voilà, on reste comme ça. Et il fait froid avec le vent et tout là, il fait pas chaud. Il a retiré les fenêtres que j'ai ouvertes. Ok, on fait attention quand même. Je peux pas me permettre de perdre l'électricité comme ça, j'ai pas d'argent moi. Eh, c'est complètement fou ça. Oh, il est en train de descendre, parfait. Oh, c'est tellement bien. Et par contre, je vous promets, espionner quelqu'un en RP, c'est vraiment le meilleur truc. J'ai fait une petite essai et tout, je crois vraiment elle a duré plus longtemps que prévu. Par contre, là, il va sortir donc va falloir que je fasse attention. Eh, attendez, j'avais pas laissé ça sur la table. Attendez, mais non, mais c'est qui? C'est pas moi qui ai laissé ça. Et de toute façon, j'ai pas faim. Je sais pas pourquoi j'avais laissé un espèce de pain sur la table. On va se mettre comme ça. Voilà, parfait. Là, on est bien. Mais bon, bah en vrai, maintenant, je vais pouvoir du coup sortir. Mais non, mais c'est vrai que j'ai pas d'argent. Oh, il sort. Où est-ce qu'il va aller? Bon, là, boum, pas le choix. Là, faut que je reste comme ça, parfait. Tous ces gens-là, là, regardez, avec leur belle maison et tout, moi, j'ai rien, moi. Et j'ai même pas de quoi payer, genre, l'électricité dans ma maison, vraiment, j'ai même pas l'électricité dans ma maison, j'ai rien. Et vous savez quoi? On va pouvoir aller voler l'argent de Natop. Il est juste là, il est juste devant. Natop, qui est normalement au bout de la rue, qui est, voilà, regardez, il est juste là, voilà. On va pas le louper. Attends, mais il y a dans quelle maison, là? Attends, mais il a une autre maison. Il a sa petite maison qu'elle a, du coup, c'est bon, il y a personne, là, là, ouais, c'est bon, non, c'est bon, il y a personne. Il regarde à droite et à gauche, là, qu'est-ce qui... Les gars, il est archi suspect. On va rentrer illégalement chez lui, on va essayer de passer par le garage, comme ça, c'est bon, il y a personne, parfait. Je comprends pas. Oh non mais mec, il est en train de vandaliser une maison là,
je reconnais ça. Petite voiture stylée et tout, avec les petits trous et tout. Ah ouais, mais non, mais lui, il a une belle voiture. Ah là, je le vois mieux, mais c'est la maison de qui? J'arrive pas à voir. C'est la maison de Natop. Mais oui, c'est la maison de Natop. Oh, il est en train de voler la voiture de Natop. Eh les gars, eh, regardez-moi ça là. C'est Rek, regardez-moi ça là. Et on va pas se gêner. Hop, on va pouvoir du coup l'emprunter. Voilà, comme ça. Il est en train de voler la maison de Natop. Mais honte à toi, Multi. Honte à toi. Attends, moi, faut que je reste comme ça quand même. Pas que je me fasse choper quand même, on sait jamais. Voilà. Il a fermé la petite maison et il prend sa voiture. Mais où est-ce qu'il va aller? Eh, regardez-moi cette voiture. Elle est pas mal, hein. Non, en vrai, elle va pas très vite, hein. Je comprends pas pourquoi il a volé la voiture de Natop. Parce que, bah, techniquement, ça lui sert à rien. À part pour aller au travail, mais il a pas de travail. Ah, c'est ça le truc. Il est en train de partir. Et je vous le dis, on va pas le lâcher, hein. J'ai dit 24 heures, hein. 24 heures, c'est 24 heures. Je pensais vraiment, par contre, ça va être une voiture de fou. Mais en fait, elle est pas folle, folle, sa voiture à Natop. Ah, la voiture, elle est nulle un peu. Elle galère à rouler, la voiture de Natop, hein. Ça se voit, il l'a acheté avec du charbon carrément. C'est même pas avec des lingots de fer qu'il l'a acheté. Ça doit être coûté un stack de charbon. En même temps, c'est normal, Natop, il habite un peu dans le quartier des nulos, quoi. Il habite pas loin de chez moi. Mais il faut que je vienne le rattraper, il part super loin. J'ai une super idée. Je vais aller à l'autre bout de la ville pour essayer de trouver, du coup, dans le quartier des riches. Je vais aller vers la maison la plus riche du serveur. Et au pire, on va se mettre, je pense, juste ici. Normalement, je me rappelle, il y a un voisin ici qui avait un drone. Parfait. Et vu que je suis un poulet, je fais le poids d'une plume. Hop, plus qu'à retirer le déguisement. Et là, on prend directement le petit drone. Est-ce que... Oh, je peux m'envoler dessus ou pas? Non, il marche pas, attendez. C'est bon, je l'ai fait marcher. Voilà, c'est bon. Allez. Maintenant, j'ai plus qu'à... C'est vraiment une énorme villa et tout, c'est vraiment la maison la plus riche de la ville. Il est juste là devant nous, regardez-le là. Regardez-le là, le petit voleur. Le petit voleur. En fait, la voiture, elle est vraiment nulle. Normalement, hein. C'est par là, voilà, on va y aller tranquillement. Déjà, on va essayer de prendre un peu de hauteur, voilà, comme ceci, parfait. Parce que normalement, si je vais à la maison de super riche, il y aura forcément des voitures de fou, quoi. Il y aura des Ferrari, il y aura des trucs et tout. À limite, vu qu'on est en RP, je pourrais limite appeler la police pour qu'il se fasse choper. Mais bon, on fera ça plus tard. Le GPS, il est un peu bugué. Oh, il est juste là, regardez-le. Il est en train de passer. Je pense que le GPS m'a dit d'aller à droite, alors qu'en fait, c'était à droite, mais plus à droite. Attends, mais je connais le chemin. Il est en train de se diriger vers le mec riche. Donc, on va vite aller chez le super gars. Vraiment, elle est là, sa maison. Regardez comme c'est tellement joli. La maison, elle est énorme. Ah ouais, non, mais le gars, il est tellement riche. Bon, vous savez que ça passe sur le serveur RP. Du coup, on a la personne la plus riche. Elle habite, du coup, juste là. Je vais pas vous dire qui c'est. Mais c'est un petit millionnaire. Et regardez, du coup, mais pourquoi il vient chez lui? C'est quoi? On va se garer là. Je pense, en vrai, je pense qu'on va se garer là. Voilà, comme ça, c'est très bien. La hauteur, il peut me voir. Attends, il peut me voir, on sait jamais. Voilà. Oh, oh non, par contre, ça, c'est de la maison de riche, ça. Piscine, tout. Il est juste là, regardez. Et du coup, direction la maison. Elle est tellement énorme, hein, cette maison. Regardez, elle est énorme comme truc. Attends, on va essayer de descendre quand même. Voilà, tranquillement. Ok, parfait, c'est bon. Eh, mais ils sont complètement fous, ces riches. Regardez tout ce qu'ils ont. J'ai l'impression qu'il y a personne. Bah, ça tombe bien parce que regardez. Oh, parfait. Je sais pas si je rentre en vrai, hein. Par contre, lui, il est rentré comme ça, normal, voilà. Petite voiture en or qu'on va pouvoir chaparder gentiment et hop là. Oh, mais voilà, là, c'est mieux. Ah, mais quoi? Mais il prend la voiture, il se sert quand même, hein. Le frérot, il se fait plaisir. Là, j'ai l'impression d'être 10 000 fois plus riche. Et déjà, j'ai essayé de tout ranger parce que même moi, j'ai volé quand même pas mal de trucs à multi. C'est vrai que je le juge un peu, mais bon. Moi, j'ai volé de la bouffe, de l'eau, quoi. Lui, il est en train de voler quand même l'homme le plus riche de Color City. Et avouez, ça me va bien comme ça. Et je suis trop bon en fait en vol de trucs. En 2 secondes, j'ai réussi à voler 2 voitures. Je suis tellement fort. Ok, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'arrive pas à ça. Attends, j'ai envie d'avancer un petit peu quand même. Et au pire, vous savez quoi? Je vais carrément devenir voleur professionnel. Voilà, j'ai grimpé au sommet de l'arbre. Normalement, là, on peut pas le louper. D'abord, on va déjà pouvoir tester un peu la piscine. Donc, pour tester la piscine, il va falloir enlever mes habits. Ah oui, il se fait plaisir. Carrément, là, il avance vers la piscine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Il aura testé l'eau pour voir si elle est chaude ou pas. Ah, bien sûr qu'elle est chaude. T'as vu la tête du serveur? Bah alors, multi. Et hop là. Mes yeux carrément. Youp, plouf, plouf. Attends, mais c'est Miro. Quoi? Mais what? Regardez-le là. Regardez-moi ce crawl là. Regardez-moi comment je nage trop vite. Oui. Ah, mais profite. Chaf. Oh, je suis tellement stylé. Je me dis, c'est un mec, il a pas trop d'argent, mais croyez-moi qu'il sait vivre. Même avec 1 € sur le compte bancaire, regardez. Il se fait plaisir. Voilà, il vole les gens. Il rentre par effraction chez le mec le plus riche. Il nage dans sa piscine tranquillement comme si c'était la sienne. Je suis un peu un dauphin, moi. Regardez-moi. Hop là, petit salto. Et c'est quoi ce truc? Et j'ai bien fait de l'espionner lui par contre. Hein. Parce que multi, c'est quand même, voilà, c'est multi quand même. Et hop là, on va quand même sortir. Ah, et en vrai, elle est tellement bien cette piscine. Regardez-moi cette petite masterclass. Bon, faut quand même qu'on fasse attention de pas se faire cramer. Là, vu qu'on est derrière un arbre avec un petit buisson. Voilà, là, on est bien. Et par contre, je trouve quand même que je suis super bien caché là. Limite, je pourrais juste me mettre par là. Voilà, regardez-moi ça là. Oh, et là, je peux le regarder. Il est passé où? Ah, il est là. Ok. Il est sur le petit transat. Voilà, tranquille. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même que je fasse super gaffe à la police du serveur. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas envie de me faire arrêter moi quand même. Il va prendre la voiture, c'est ça? Il va la voler. Donc, je vais rentrer un peu discrètement. Attends, je vais quand même me rhabiller, je pense. Mais mec, il est en caleçon là depuis tout à l'heure là. À quoi il joue? C'est mieux comme ça. Oh, il s'est rhabillé. C'est bon, il vient de se rhabiller. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Je vais rentrer un peu discrètement parce que je sais pas tout s'il y a la police. On dirait, pourquoi il est en train de sneak là? Pourquoi on dirait il est en train d'infiltrer la maison? Bah oui, regardez. Ah, mais il va voler un truc, c'est sûr. C'est vraiment une maison de riche. Bah, si ça se trouve, il y a vraiment des gardes partout à l'intérieur. Les gars, on va le suivre. Ouh, il y a quelqu'un. Non, c'est bon, c'est vide. Ok, non, c'est bon, il y a personne. Oh, il est juste là. Il est juste là. Oh
en fait, il est en train d'infiltrer une maison pendant que moi, je suis en train de l'espionner. Et c'est ça qui est fou. Mais regardez-moi cette maison. Regardez, il y a des rideaux et tout. Mais waouh, mais attendez, mais quoi? Mais les toilettes, elles sont dorées carrément. Ah ouais, non, mais ils abusent pas, les riches. Là, voilà, parfait. Oh, j'ai tellement envie d'appeler les flics du serveur parce que pour ceux qui savent pas, moi, j'ai plusieurs métiers et je fais partie de la police. Donc si je veux à tout moment, je peux l'arrêter. Mais bon, on va voir jusqu'où il peut aller. Je sois super discret. Il y a une statue. Waouh, il y a une petite statue et tout. Là, ici, il y a rien. Bah, je pense que je vais aller voir à l'étage peut-être. Pour l'instant, voilà, les collègues vont laisser bosser tranquillement. Moi, je m'occupe de lui. Non, je l'ai perdu de vue. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais rond, la maison, elle est énorme. Je suis un menteur. Je l'ai vraiment perdu de vue. Là, il est passé où? Où est-ce qu'il est passé? Ça se trouve, il est passé à l'étage. Attends, on va essayer de le suivre. Oh, il est juste là. Il est juste ici. Même les chaises et les tables, elles sont en or, quoi. Il y a rien du tout qui est en or. Et ils sont complètement fous, les riches. Ah, il y a un piano et tout chez eux. Et par contre, j'ai jamais vu la maison du millionnaire, mais elle est vraiment stylée. Hein. Moi, je pense qu'il a forcément un coffre secret avec tout son argent à l'intérieur. Ah, il continue, il continue. Bon, allez, on le suit. Faut pas qu'on lâche. En même temps, si jamais il a un coffre secret, le gars qui habite là, il l'a forcément super bien caché. Ok, donc là, il est monté juste ici à l'étage. On va faire attention. Il est devant. Ok, il est devant là-bas. Et pour l'instant, je l'ai rien vu voler par contre. Et là, je vois pas grand chose là. Non, il y a pas de coffre secret. Les statues, elles sont à leur place. Mais en même temps, compliqué de voler une statue. Oh, il court. Ok, là, y a personne, c'est bon. Il y a vraiment personne qui surveille. Non, c'est bon. Oh, je suis passé par le balcon limite. Ah non, non, c'est fermé vite. Il est juste là. Oh, je suis derrière lui. Y a pas de coffre ici. Je vais vraiment tout visiter. Hein. Ok, c'est bon. Il est juste devant. Il est juste là. Bonjour, y aurait-il un coffre secret? Non, il n'y a pas grand chose. C'est pas possible, il l'a caché où son coffre? Oh, il est là. Non, non, non. Ouh, j'ai eu tellement chaud par contre. Y'a quoi par là? Je suis pas allé là. Oh, c'est la chambre. Oh, ben voilà. Il est rentré dans la chambre du millionnaire. Donc là, techniquement, c'est vraiment sa chambre. Si je me rappelle bien, c'était vraiment sa. Oh, si je me mets là comme ça. Oh, je peux mettre comme ça, limite, comme ça. Est-ce qu'il aurait caché du coup la clé quelque part là, peut-être à l'intérieur? Non, dans les commodes et tout. Non, y'a pas. Non, y'a pas. Peut-être là, comme ça. Droite, gauche. On va faire des droites gauche. Il est en train de fouiller. J'ai peur quand même, j'ai peur. Est-ce qu'il aurait caché plein d'argent et tout, un coffre secret? Oh là, il y a un coffre, mais voilà. Oh, c'est trop stylé. Ah, mais il y a un coffre, regardez les gars. Il y a un coffre secret juste là. Non, il faut une clé, j'ai pas de clé. Non, zut. Non, attends, il y a pas une clé quelque part là. Non, sous le lit peut-être. Non, il y a pas. Le mec, il va clairement le voler, mais il a pas la clé en fait. Il a tellement pas la clé. Il y a pas une clé à l'intérieur. Oh, si. Attendez, ah, si, si, voilà. Ok, là, il y a une petite clé du coup. On va pouvoir la prendre et voilà. Oh, quoi? Il a réussi à trouver la clé, mais comment il a fait? Attendez, mais c'est quoi, trouver ce diamant? Bon, faut que je parte vite. On a maintenant la super clé en or et tout. Et du coup, si je l'ouvre et tout. Oh, ça marche, Omi, mais voilà. Et je vais tout voler vite. Parce que là, je pense qu'il va tout récupérer et il va repartir. Donc, moi, on va essayer de faire vite. Mais il est tellement riche, le gars qui habite là, c'est pas possible. J'ai pas de temps à perdre, elle est quand même grande cette maison, je me perds dedans carrément. Mais c'est pas possible d'avoir autant d'argent. Regardez, j'ai vraiment un stack de diamants. Ah ouais, non, mais c'est bon. Au pire, je tape un plongeon d'ici, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je crois. Et je suis riche maintenant, moi, vite, je pars. Hop là, j'ai enfilé du coup mon petit short de piscine et. Oh là, parfait, c'est bon. On va vite sortir d'ici avant de se faire attraper par la police. Allez, allez, c'est bon, y'a personne, c'est bon, y'a vraiment pas la police. Hein. Ok, c'est bon, ma voiture est toujours là, ok, c'est parfait. Ouf. Allez, maintenant, faut juste que je ressorte discrètement avant qu'il. Non, il est là. C'est trop tard, il est déjà là. Ma voiture à moi, bien sûr. C'est vraiment ma voiture à moi en or et tout. Parce que maintenant, je suis du coup de nouveau riche. Il est vraiment devant nous là. J'ai pas le choix. En fait, faut que je reste sous l'eau. Mais je vais commencer à prendre des dégâts et c'est pas très cool ça. Je suis un petit riche maintenant. Regardez-moi vraiment le casse-vis. Regardez vraiment, j'ai des trucs et tout. C'est trop bien. Pour l'instant, on va essayer de sortir pendant qu'il a le dos tourné et de partir à l'autre bout. Vite, vite, sors. Et là, vite, on va devoir s'échapper du coup, normalement pour ça. Ah, si je pose là comme ça, du coup, ça ici. Dans le buisson. Ah, ça pique ici. Là, je suis bien. Voilà, comme ça, ok, c'est bon, parfait. Regardez, j'ai pu mettre ça à l'intérieur. Ah, quoi? Attends, il a mis un petit coffre derrière. Mais c'est quoi ce délire? Il a mis un petit coffre derrière de sa voiture. Voilà, vite, je vais pouvoir tout mettre à l'intérieur, vraiment dans le coffre. Et là, c'est bon, voilà. Oh, mais quoi? Et voilà, il repart. Non, mais mec, il a volé les diamants, la voiture. Il s'est fait un petit coffre derrière. Et c'est n'importe quoi. Et on va s'enfuir très vite, ni vu ni connu. Voilà, on passe par là. Et comme ça, voilà, on y va. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je connais le millionnaire. Et il faut savoir qu'il a un garage secret caché quelque part avec plusieurs voitures. Donc ça va, il aurait pu voler quand même plus de voitures. Direction ma maison. Moi, bon, je vais tellement vite comme ça, c'est trop bien. Cette voiture elle est tellement mieux que l'autre. Non, ça, je suis à pied là, les gars. Vous voulez que je fasse quoi? Oh non, il a laissé la voiture de Nathan. Oui, allez, on va clairement s'en servir. Je suis un peu le boss. Eh, le casse du siècle quand même. Allez, viens par ici, toi. Voilà, comme ceci. On va le pourchasser. Eh, par contre, je vais hyper vite. Par contre, attendez, c'est abusé, hein. Où est-ce qu'il va là? Je comprends pas là. On va le suivre quand même discrètement. Ça se fait. Ah, mais il y a une salle de concert à côté. Oh, c'est là où il va. C'est sûr, c'est là où il va. Attendez. Attendez, les gars. Je vais pas louper un concert de multicore quand même. Ah, bah oui. Attendez, déjà, carrément, moi je vais passer par là. Et je me gare ici. Ouh, discrètement. C'est bon. On est bien, on est très très bien même. Ok, il est juste là, parfait, c'est bon. Il est à côté, on va le suivre. Voilà, il passe par là, boum. On est bien là, ah franchement stylé. Et là, faut que je passe comme ça. Oh, il est sur scène, il est tout là-bas. Oh, il est rentré, c'est bon, il est passé derrière. Bon, faut que je trouve un endroit où me poser là, vite. Y a pas une chaise, un endroit où je sais pas trop. Il pourra pas trop me remarquer, je sais pas trop. À la limite, je peux essayer de me mettre. Ouah, c'est compliqué, au pire, je me mets au fond. Voilà, là on est bien. Franchement, avec toutes les chaises, il y a pas me remarquer ici quand même. 5 minutes later. Les éclairs, ah. Je rêve ou la. Ok, voilà. Aucune émotion, on bouge pas. Il est juste là, ça me termine. Voilà. Il pose sa petite chaise en plus. Voilà, il pose son petit. Oh!
Oh, il a un piano et tout en plus. Ah ouais, quand même, hein. Ah, c'est stylé. Là, il va se poser tranquille sur la petite chaise. Ok, les gars, j'active le chat vocal. Paf, c'est bon. Normalement, là, il est activé. Là, normalement, je l'entends. Eh oh, car être un chat, ça n'a que des avantages. Oh, je voudrais vraiment cette arme. J'ai coupé le chat vocal, mais il est vraiment très chanté, mais j'entends pas le piano. Je crois faut que je me rapproche. Attendez, on va se rapprocher un peu. Parfait, juste là. Attends, je mets le chat vocal pour voir. Père BP en diamant. Sans ça, je vais pleurer et je vais me faire taper. Les gars, ça me termine de rire. Il est en train de se préparer pour son concert et ça me fume de rire. Je voudrais vraiment cette... Oh, attendez, il y a quelqu'un qui a rigolé. Attendez, j'ai entendu un bruit. Non, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je me réhabille. Voilà, vite, vite, vite. Ok, c'est bon. Attendez, par contre, il m'a cramé. Je crois il m'a cramé. Là, c'est tellement serré. J'aimerais trop voir sa POV. En vrai, je pensais que j'étais mute, en fait. Je pensais que j'avais coupé mon micro du chat vocal, tu vois. En général, j'ai une touche pour activer et désactiver le chat vocal. Bon, pour l'instant, on est bien. Oh, il repart. En même temps, il était torse nu en train de faire du piano, quoi, tu vois. Attends, il se passe quoi si je teste? J'ai envie de tester, moi aussi, si je me mets là et que je clique. Ah ouais, ça marche, attendez. Oh, c'est trop bien. Ça marche vraiment. Bon, allez, on arrête. On arrête les bêtises. On fera un conseil une autre fois. On continue de l'espionner pour l'instant. Dar Verrou, il est parti du coup là. J'arrive pas à ça. Ouais, attendez, en plus il y a le commissariat juste là. Eh, faut surtout pas qu'il me chope là. Du coup, on va continuer par là. Oh, il est juste là. C'est bon. Viens, on va retrouver. On le course. On a pas le choix, les gars. Je vais vite rentrer chez moi, me cacher. Oh, en plus il y a une salle de sport. Oh, par contre, ça c'est bien ça. Voilà. On fait un petit tour par là. Ah, oh, tu on est tellement lent de comparer à la sienne. Eh, j'ai trop la haine. Oh. Et moi, j'adore les salles de sport, moi. Du coup, bah tant qu'on y est. Maintenant que je suis riche en vrai, direction la petite salle de sport. Oh, parfait. On a vraiment une juste là. Attends, il fait quoi? Ah, il va à la salle de sport. Ok, on descend. Juste la voiture ici pour l'instant. On descend. Au pire, ce qu'on fait, oh, j'ai un truc de fou à faire. Attendez, on va le laisser aller à la salle et on va faire genre on vient d'arriver, tu vois. En mode, oh salut, comment tu vas et tout. Je viens à la salle, je fais ma petite séance alors que depuis le début je le suis, tu vois. Comme ça, il pourra pas trop me suspecter. Et maintenant, direction la salle de sport. Il est en train de rentrer, c'est bon, je le vois là-bas. Allez, on le suit. On y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, j'espère juste qu'il y aura pas la police. Non, c'est bon, la police elle est pas là, non, c'est bon, parfait. Oh, faut que je mette mon outfit de salle, attendez. Quand même, faut s'habiller. Y a personne à l'accueil, comment ça se fait? Et voilà, regardez-moi ça là, là on est bien. Allez, on part à la salle. Franchement, là je suis pas mal. Bonjour, je voudrais acheter un abonnement. Bah, y a personne, vous savez quoi? Et au pire, de toute façon, moi je suis un voleur. S'il y a personne à l'accueil, et ben on va pouvoir rentrer un peu discrètement pour de faux, voilà. Oh, dans les petits vestiaires et tout. Ok, donc techniquement il doit être par là, on va essayer de passer vite fait. Ok, parfait. Regardez comment je suis beau là dans le miroir, regardez comment je suis BG là. Voilà, regardez-moi ça. Je suis tellement musclé là, oh là là, je suis tellement beau en vrai. Ok, il est où? Je le vois pas. Mais il est passé où? On va faire un petit pipi quand même. Comment on ferme la porte? Je ne sais pas comment on ferme la porte. On peut pas fermer les portes dans les toilettes, mais ils sont fous, mais dis donc. Et au pire, c'est pas grave, voilà. Forcément dans les vestiaires là, je l'ai pas vu en haut, ni dans les autres vestiaires. Oh, attends, c'est ouvert ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de pisser ou c'est comment là? Bon, attends, on va essayer de reculer. Voilà, discrètement. Et toujours faire pipi avant d'aller au sport, hein. Moi c'est très important. Et on repart, allez. Pas l'endroit en haut, je peux me cacher parce que là, ah, c'est un peu compliqué quoi. On va se laver les mains vite fait, les robinets ne marchent pas. Et puis vous avez quoi? De toute façon, moi je suis un voleur. Du coup, je vais pas en plus me laver les mains parce que c'est comme ça, sinon c'est pas drôle. À la limite, je peux essayer de me mettre là. Non, là, il y a pas une entrée quelque part ici? Bien, allez, on casse là et on se met ici. Comme ceci, parfait. Et normalement, ils sont arrivés par l'escalier qui est juste devant moi, donc là, on surveille pour l'instant. Et du coup, direction la salle de sport. Normalement, c'est à l'étage, du coup, là, il y a toutes les machines et tout. Oh, voilà, c'est stylé ici. Oh, il vient d'arriver, c'est bon. Ouh, on reste caché. Oh, la petite salle, ah, elle est bien. Attends, il y a des haltères et tout là. Ah, non. Qu'est-ce qu'il va faire comme séance? Oula, il arrive vers moi là! Dangereux que! Tu regardes, il y a ça! J'essaie de soulever les haltères! Ah, ça me termine! Je vais vous prendre comme ça, tu peux soulever, tu veux faire. Oh, voilà, attendez, on va quand même essayer de soulever. En fait, il joue vraiment les RP bien, en fait, je suis content. Tu fais un peu de soulever terre là comme ça. Mais par contre, je suis frais comme ça, j'ai un petit flow quand même. Le dos droit, voilà, comme ça, c'est bien. Et là, on soulève et hop là, voilà, 120 kilos, parfait, nouveau record. Eh, on est bien aujourd'hui. Ok, les gars, je viens de sortir de la salle de sport, du coup, il est en train de faire je sais pas quoi en haut. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jouer le jeu un peu RP comme si je viens d'arriver, tu vois, en mode ouais, je vais faire ma séance de sport. Et on va faire une séance de sport avec lui tranquille. Et après, on repart. Et à ce moment-là, on est en train de l'arrêter en mode flic. Allez hop, ça part. Vu que je suis un flic, du coup forcément je m'entraîne de temps en temps. On va à la salle de sport tranquillement. Où est-ce qu'il est le petit multi? Où est-ce qu'il est juste... 49. Il fait ses petites pompes. Attends, je passe devant lui. Et 5, oh, il y a Shadow qui est là. Oh. Ah, ça me fuit, il est en train de faire ses petites pompes. Depuis quand Shadow il fait du sport? Je savais pas qu'il faisait du sport lui. Eh, je savais pas qu'il allait venir. Attendez, faut vraiment que je fasse gaffe par contre, hein. On va des pompes avec lui, ça va être drôle. Parce que je rappelle quand même que là je viens de voler une voiture et que lui, si jamais il comprend ça, il va peut-être un peu m'arrêter. On va mettre là comme ça, voilà. Hop là, des squats. Attendez, il s'entraîne lui aussi. Regardez, il fait des squats et tout. Ah, lui il fait les jambes pendant que moi je fais le haut du corps. Voilà, comme ça. Moi je fais des squats pendant que lui il fait des petites pompes. Ah, il fait des belles pompes par contre, Mouchi, quand même. Moi je fais les pompes, lui il est un petit peu occupé à faire les jambes, ok. Et il les fait bien les squats. J'aimerais tellement savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire sur moi. 70. Parce qu'il faut savoir que j'ai désactivé du coup le chat vocal, moi. Du coup, on s'entend pas. 90. Sinon, je me fais cramer, tu vois. Il sait que je suis en vidéo et que je le troll. Mais là, tranquille comme 92. Ça. 92. Oh, je fais bien les pompes. Je vais me lever un petit coup. Je vais aller faire un peu de boxe. Et avant de faire de la boxe, bien sûr. 19.
Boum! Voici mes gants de boxe. Là, je peux mettre des petits coups comme ça, là, stylé. Donc là, on se met devant le punching ball. Et voilà. Allez, voilà. On s'entraîne. On s'entraîne. Je peux l'appeler pour lui mettre un petit coup de pression, non? Parce qu'il sait que je suis flic en vrai. Allez, hop, j'active le chat vocal. Normalement, il va m'entendre. Oh, multi! Ouais, Shadow, ouais, je t'ai vu, t'es là. Ouais, je suis là, mais. Attends, waouh, ok, moi, je suis mort. Ouais. J'étais un peu. Voilà, je faisais une petite pause. Tu fais quoi, là? Oh, t'es en train de faire de la boxe. J'en suis à plus de 50, là. Je fais vraiment bien, là. Ah, ouais, 50 déjà? Vraiment, je suis essoufflé, j'ai mal au bras et tout. Eh, tu veux pas une partie? Eh, viens sur le ring avec moi. Tu veux pas on fasse une petite partie? Non, je sais pas. J'ai jamais fait de la boxe, t'es fou. Je vais me faire taper, mais non. Je veux pas un petit. Non, me frappe pas. Non, je suis sympa. Moi, je suis quelqu'un de tout gentil, tout frêle et tout. M'attaque pas, quoi, s'il te plaît. Ok, vas-y, je touche pas. Je suis tout sympa. Pas fait de bêtises, oublie pas que je suis flic, hein. T'as pas fait de bêtises récemment? Ah, je suis ça, mais j'ai pas d'argent, mais je ça va bien la vie et tout, tranquille. T'as trouvé un travail ou t'es toujours SDF, chômeur? Ouais, bah là, je peux m'acheter une nouvelle voiture. Je me suis acheté une voiture, elle est pas mal. Ah ouais? Ouais, mais bref, je l'ai pas là, je suis venu à pied, elle est chez moi. Ah, mais... ok, bah je me la montrerai un de ces quatre. Ouais, un jour, là je l'ai pas aujourd'hui. Vas-y, bah ça marche. Bon, bah moi je te laisse, hein, moi je dois y aller, du coup, salut, hein, à plus. Vas-y, ça marche, vas-y, salut. Salut. Allez, salut, salut. Voilà, hop, on boit un petit peu d'eau, parfait. Ok, c'est bon, je suis mieux, du coup, je pourrai partir très loin. Faut surtout pas que je lui parle trop à lui parce que vraiment, sinon ça va mal se finir. Ah, je lui mets un coup de pression, je crois qu'il a flippé. Attends, on va voir qu'est-ce qui. Parce que bon, j'ai pas ma voiture, on a Annie, je l'ai. Ah, elle est juste là, regardez là. Vite, je cours ici, vite. En vrai, par contre, elle est bien cachée quand même. Regardez. Je vous dis que j'étais venu à pied alors que vraiment, ma voiture, elle est juste là, voilà. Dis-moi ce voleur. Oh là là, regardez comment il repart avec la voiture qu'il a volée. J'ai pas eu le temps de boire ni rien, vraiment, je vais mourir. J'ai fait vraiment 200 pompes. Regardez comment. Oh, le voleur, par contre, je vais te retrouver, toi, tu vas voir, hein, c'est ça, rentre chez toi. Les gars, on va pas le louper. Et on va vite rentrer. Non, ça c'est de l'autre côté, non, c'est bon, c'est par là. Allez, direction le poste de police. Déjà, boum. Voilà, on retire tout. Normalement, c'est bon, regarde. Normalement, je suis vraiment parti très vite. Normalement, il a pas eu le temps de me voir. Normalement, j'ai mon uniforme qui est pas très loin. Et par contre, je suis essoufflé avec les pompes, moi. Oh là là. Et ok, ma maison, du coup, elle est pas où déjà ma maison? J'ai oublié, j'ai pas mis le GPS, moi. Et voilà, le poste de police est juste là. On y est. Il y a ma petite voiture qui est garée en plus, c'est parfait. Au rond-point, prenez la 6e sortie. Merci, GPS. Voilà, là, je vais prendre mon service. On passe juste là. Boum. On se met là. Et paf, c'est bon. J'ai pris mon service. Regardez-moi ça. Voilà, on va faire attention quand même, c'est bon, feu vert. Ok, c'est bon, on peut passer. Et techniquement, dans mon inventaire, j'ai mon petit pistolet. Boum. Oh là, on est stylé. C'est bon, je vois les maisons des voisins. Voilà, parfait. On va s'arrêter quand même, on va faire gaffe. Ok, c'est bon, c'est vert. Voilà, on peut y aller. Hop. Bon, maintenant, plus qu'à y récupérer du coup ma petite voiture de fonction. Voilà, c'est bon. Allez, on va le choper, c'est bon. Ok, je vais faire croire que je suis quelqu'un de normal. Parce que là, j'ai pas envie de me faire arrêter par la police, moi. Ok, j'ai dans le collimateur, il est là-bas au fond. Allez, on va essayer d'avancer tranquillement et de pas trop se faire avoir. Parfait. Et ma maison, elle est juste là, c'est parfait. On avance. Et on reste là. Voilà, comme ça. Ouais, c'est ça. C'est donc ça la voiture que t'as chopée. Je vais pouvoir me garer ici. Et du coup, il va falloir un peu que je décharge ce qu'il y a là. Donc attendez, là, comme ça, voilà. On va déjà prendre les diamants. Eh, mon œil, là, sur cette voiture. Les petits diamants, on va pouvoir vite les cacher. Bah, à l'intérieur, je pense que pouvoir les cacher là. Voilà, pour l'instant, on va pouvoir les cacher là. Voilà, parfait. On va rester là, comme ça, voilà. Ok, ensuite, du coup, les lingots d'or, ils sont là, encore à l'intérieur. Les lingots d'or, ils sont là. Vite. On va le guetter. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est en train de transférer ce tutorage tranquille. Les diamants, on va aussi les mettre là, les autres. Et là, vite, le reste, ok. On l'arrête maintenant ou on attend un peu? Je sais pas, j'hésite. Et là, ensuite, j'ai encore des blocs de diamants. Et en vrai, j'ai tellement d'argent, j'ai fait vraiment le casse du siècle. Je vais le surveiller quand même, on sait jamais. Je prends mon flingue dans les mains. Le diamant, on va les mettre là. Et du coup, il reste encore les derniers blocs d'or. Oh, attendez, j'ai une voiture de police, ça. Attendez, non, attendez, c'est pas normal, attendez. Ah, il m'a vu, je crois. Je crois qu'il m'a vu. Eh, hey, il aura un tueur. Il y a clairement une voiture de police là. Attendez, non, mais zut. On va l'attraper, vite. Ah, on le rattrape. Mais quoi, mais attendez, mais ils m'ont trouvé. Mais non, faut que j'y aille. Les mains en l'air. Non, j'ai rien fait. Les mains en l'air. C'est pas moi, j'ai rien fait. Arrêtez le véhicule. Veuillez stopper le véhicule. Mais bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, ça va? Moi, je vais bien. Hop. C'est bon, je lève les mains. C'est bon, j'ai les mains levées. C'est bon, vous inquiétez. Bon, moi, j'y vais du coup, je vous laisse. Voilà, je vous laisse un peu. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Allez, moi j'y vais. Revenez, j'ai dit. Mais non, moi je m'en vais. À quoi tu joues, multi? Voilà, non mais j'ai rien fait. Je savais que t'étais pas louche. J'ai rien fait vraiment. J'ai rien fait. Reviens là. C'est bon, je laisse la voiture. Oh, dans la fête foraine en plus. Ah bah oui, non mais vraiment, moi je vais me cacher. Reviens, quoi, là, je vais comme te tirer, ça. Je vais te mettre des balles là. Non, reviens, non, non, je vais te mettre non, des grosses non, balles non, là, reviens. Mais j'ai rien fait, j'ai rien fait. Mais quand ça t'arrive, mec, t'as volé. Je t'ai vu, hein, de mes propres yeux. C'est pas moi. T'as volé la maison millionnaire, je t'ai vu. C'est pas moi. T'es là, reviens. C'est pas moi, non, j'ai rien. Reviens, multi, reviens. Non, laisse-moi tranquille. Non, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais choper. Voilà, ok. J'ai pas envie de te tuer. Là, je suis le chemin. Rends l'argent, rends les diamants. J'ai rien fait, c'est pas moi. Vraiment, c'est pas moi. Rends tout. Et je te promets, j'ai rien fait. Vraiment, j'ai rien fait. Tu as fait en prison pour tous les cas. J'ai rien fait. Voilà, et là, hop, et voilà. Yes. Oh yes, parfait. Oh, ça marche. Reviens, je vais tirer sur le moteur. Aïe, non.